plus comment il s'appelle. Enfin, normalement, c'est ça. Sauf que là, il a son Defender, mais bon. Pas grave. On est plus à ça près. On passera pas par là, c'est fermé. Heureusement qu'il y a des trucs jaunes pour qu'on puisse savoir Bah, je tiens où un aller. œil, je t'attends. Bon, bouge pas. Oh, t'inquiète pas, ça risque pas. Ok, Sully, c'est bon, monte. C'est sympa la Syrie. Ça donne envie d'y aller et tout. Bon, j'imagine que là aussi c'est fermé. Hey, aide-moi avec la porte. Je vais grimper et faire le tour. Je te C'est dirai mieux. si c'est bon. Ok. Tout va bien? Ouais. Mais j'ai eu chaud. J'ai cru que j'allais mourir là. Mais vraiment. Ah, c'était pas par là, hein, mais... C'était pas par là. C'est par là. Bon, on va passer à gauche, alors on va voir si ça marche. On peut pas. Quoi ça? C'est rien, d'accord. Bon, en fait, il faut peut-être passer par là. Bah non. Bon, on va tenter l'Yamakaki. Facile. Les sticks fatiguent un petit peu, j'ai l'impression des fois. C'est-à-dire, je l'ai bien rodé la console hein, depuis tant que je l'ai. Je sais pas depuis hyper longtemps, mais elle tourne. Alors, il y a l'air d'avoir du monde. Genre, je suis déjà repéré. Bon, bah, allez mourir. Alors. Putain! Eh bah ouais. Oh, calmez-vous là, oh! Ah oui, dans cet épisode-là, on peut lancer les grenades. Enfin, les relancer, du moins. Boum! Ah, je suis armé aussi maintenant, salut! T'es mort. Toi t'es mort.
Hop, tu sautes. Toi, t'es raté. T'es mort. Voilà, c'est le paraneuf. Qui est complètement craqué. Mais vraiment. Enfin, moi j'aime bien. Cela dit, c'était joli ce que t'as fait en passant au-dessus du guéridon et tout. Non, moi j'ai bien aimé. Mon médecin me l'a prescrit. C'était inutile. Mais je salue l'initiative. Sincèrement, je salue. Allez, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu Ah. foutais? La routine. Je me suis fait des potes. Excusez-moi. Allez, viens m'aider. Mais j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. J'ai fait un live sur Doctor Who The Eternity Clock. Donc je l'ai fait d'une traite, hein. Donc dure 5 heures le jeu. Donc je suis un peu fatigué. Viens, par ici. Donc c'est fort possible que l'épisode soit pas hyper long. C'est fort probable. Sully, par ici. Bon recul. Ok. Ok, ici y a rien, on s'en fout, ici y a rien, on s'en fout. D'accord. Puis. Sully, tu peux te barrer? Fais-moi descendre. Ou faire descendre le truc. Tu le vois en bas? Ok, une seconde. Je vais voir. Coucou. T'as pas un flingue toi? Non, t'as pas un flingue. On aurait pu le faire tomber dans le trou. Ok. Tu préviens pas tes copains, toi. Un trésor! C'est pas par là. Hop, hop. Oui, il y avait un trou ici, on aurait pu le pousser, genre LOL! Soli. D'accord. Monte. Recule, je vais tirer. Bitches. Oh! Je savais pas qu'on pouvait monter sur leur bord de la fenêtre. C'est un travail de pug'em. Allez, dépêche-toi, Sully, la bouche option. Merci. J'ai rien dit. Y a rien, y a rien. Roulade. C'est le bruit d'agents dans le coin. Chloé et Cutter ont peut-être des ennuis. Où est-ce qu'ils peuvent bien aller? Je crois. C'est pas vrai. Vous m'avez fait peur. Vous êtes pas en France? On vient. Bah si, connasse. Quoi? Seulement on se dédouble. Ouais, ou pire. Bah, pourquoi?
Talmo nous attendait au château. C'était un piège. Et nous, on croyait qu'ils vous suivaient aussi. Ouais, je confirme. Ils sont ici. Sans blague. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on pourrait baisser d'un ton. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est pas faux. Ça fait un jour qu'on essaie de vous joindre. Ah, ouais. J'avais plus de forfait. Tu utilises des cartes prépayées? Bah, pas le choix. T'as vu le prix de ces trucs? Quoi? Le mien est mort. Encore? Ouais. Bon, on s'en fout de tout ça. Regardez ce qu'on a découvert. Tout est écrit là. Non seulement le réseau d'espions d'Elisabeth s'étendait jusqu'ici, d'accord, mais ils faisaient tous partie d'une société secrète hermétique. Les services secrets occultants. Tu veux dire suisse? L'école de la nuit, le Hellfire Club, l'ordre de l'Aube Dorée, ils sont tous connectés. Alors John Dee et Francis Walsingham et Walter Raleigh et même ton pote Drake, ils en faisaient tous partie. D'accord. Le but, c'était le pouvoir. Ils tenaient leurs ennemis grâce à l'espionnage, le mensonge, la peur. Attends. Alors, Marlowe et ses sbires sont dans le même ordre secret, mais 400 ans plus tard. Vous pouvez en venir au fait, s'il vous plaît. Oui, il est vraiment temps qu'on parte. Ouais. Tiens. Hey, mignonne, Chloé. Quod est superius. Est sicut, quod est inferius. Ce qui est en bas est en haut. C'est la clé de toute cette histoire. Ah, d'accord. Il faut monter au sommet du château. J'ai trop la tête dans le cul pour le latin. Bien joué. On devrait pouvoir accéder aux cryptes avec cet indice. L'entrée doit être cachée quelque part ici. Là, c'est la plus haute tour. Okay. D'accord. Donc on a juste à traverser... Génial! À terre! Et là? Très bien, c'est le seul chemin. Bah là, on est dans la merde. Super. On n'avait pas prévu de faire tout ça discrètement. Tu quoi? On peut pas laisser tomber. Oh, pas si près du but. Allez, on va les contourner. Voilà, on va les contourner. Ils sont là. Faut juste les trouver. Tu vas voir quand ils mettront la main sur Cutter. Oh, il sait. Ah, j'ai mal. C'est quand tu tires dessus, le mec fait ah, j'ai mal. Enfin, c'est très certainement ça. Ninja. Ninja? Oh, ça c'est discret ça. Ça c'est vachement discret, le dégoupillage de grenades. Alors on peut viser avec celui-là aussi hein. Le triangle. Raté. Je crois que c'est juste avec le stick alors. Voilà. Bon, c'est pas un visage de fou hein, mais... Hop. En fait, c'est les potes de Hitman. Ils sont dans la même agence que 47. C'est assez cool. Bonjour. Si, c'est dommage, il n'y a pas de démembrement. Ça serait rigolo. Bon, il ne reste plus qu'à aller voir ce qu'il y a là-haut. Une grille, parfait. Charlie, donne-moi un coup de main. Facile. C'est bon. Mais c'est bon. C'est bon. Elle a perdu du cul, Chloé, quand même. Ok, on la redescend. Non, bon, c'est pas grave, grave. Hein. En termes de gameplay, de scénario, ça change pas grand chose. Allez, suivez-moi. Ah, le Rafika. Alors, le Rafika, c'est un pistolet qui tire... dans beaucoup de jeux, il tire en rafale. En fait, c'est un pistolet automatique. Hop, merci, monsieur. Peut m'être utile. Non, non, je... Ouais, si, je vais reprendre le AK-Lulz, en fait. Pour la monter.
Oh, d'où tu me fais du kung fu là, espèce d'homme en costume. Tiens. Voilà. Donc je tire deux fois, il est mort en fait. C'est cool. Enfin c'est cool. C'est violent, tout ça, tout ça. Ah, c'était magnifique! Je savais pas qu'il faisait des mouvements comme ça, Nathan. Nathan. Tiens, attrape. Bon. Ça va, Sally? Bien, t'as vu? Bon, c'est pas tout ça. Génial. Génial. Ça me fait plaisir. Ah. En fait, il fallait sauter plus tôt. Oui, bonjour! Au revoir! Oui, bonjour! Au revoir! Toujours être poli, c'est important. Oui, bonjour! Voilà, ça c'est fait. Hop. Ah ouais, donc tu tires de là-bas, toi. Passe. Salut. J'y travaille. Tchon. Eh, au fait, ça gaz. Un magnum. Donc ça c'est des balles de AK. As grenadas, du AK. As grenadas. Sinon ça va vous? On peut y aller? Je sais pas que ça va faire. Basiquement. Donc je suis arrivé par là. Là je peux pas y aller. Là non plus. Ici c'est mal barré. Ici aussi. Surtout m'aidez pas. Vous êtes d'une aide. Ah, je vais tous vous buter!
Bon. Il fallait peut-être juste les aider. Non. En principe, il devrait y avoir une porte quelque part ici. Genre là. Merde. Raté. Rostignol. Tiens. 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 Raté. Rostignol. Un coup de magnum. T'as le bonjour de Nikki. Aïe. Raté. Rostignol ? Oh ! Tiens ! Ils sont quand même vachement résistants aux balles de Magnum. Hein. Je tiens à le souligner. Ou le souligner, on s'en fout. Par là. Hé, hey, couvrez-nous, ok? Ouais, c'est ça, grouillez-vous les gars, ok? Hey, ils vont nous canarder, là. Bah, ouais. C'est mon chat qui vient de débouler encore comme une furie. Bah, et bon. Ah, tu fous la merde. Hé, hey, là. Tu vois? Ce qui est en haut et comme en bas. C'est le bon endroit, c'est sûr. D'accord. Ouais, mais au bon endroit, pourquoi? Eh ben, je pense que les croisés ont caché l'entrée de la crypte sous notre nez. Une minute. Connais-tu le filante? Vous avez fait un vœu? Tiens. Non, moi non plus. Il y a le symbole sur la carte de Drake. Aha. Juste à côté de ça. Bien sûr, la petite ours, l'étoile polaire. Le seul point fixe dans tout le ciel. Le couteau Shinken. Ah non, c'est la grande ours. Vous croyez que ça indique l'entrée cachée? Je peux voir? Ouais. C'est juste après. C'est pareil. Le télescope, vieux. Oui, oui. D'accord. Si tu te fous du télescope, prends-le-moi. Je peux le faire. Je vais l'utiliser. Alors, donc on a la grande ours ici, la petite ours. Je l'ai trouvé. Bon, voilà. Dans le polaire. L'entrée. Elle devrait être juste sous l'étoile polaire. Comme ma bite. La voilà. C'est ce qui s'appelle caché sous notre nez. Complètement. Ouais, une minute. Ça peut pas être aussi simple, si? Ah! RPG! Et nous, on va s'arrêter ici. Je mets en pause pour pas me faire trucider. Et on se retrouvera la prochaine fois pour une séquence riche en action et en RPG 7 et en lance-roquette, lance-grenade et tout bordel. Voilà. D'ici là, prenez soin de vous, profitez du soleil et du beau temps, allez à la pistache par exemple. Et on se retrouve la prochaine fois. Allez, salut à tous, bye.